Corinthiens 15. Je vais prendre une frontière exposée et puis après, je vais poser des questions. Je vais exposer et puis après, je vais poser des questions. Maintenant, 1 Corinthiens 15. Je vais lire au même verset premier et puis je vais arriver dans verset 6. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 1er. Et puis, m'a prêté dans verset 6. Et t'as dit que ça dit. M'espère que vous venez. Il dit, alors c'est Paul, aux chrétiens de Corinthe, à l'église de Corinthe. Il dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont encore morts. Ok, ça va chercher dans le passage, c'est le premier verset qui interpelle nous. L'apôtre Paul a fait un rappel pour les chrétiens corinthiens, il a fait un rappel sur l'évangile. L'évangile. Mot l'évangile là, mot grec là, c'est évangélio. Évangélio veut dire bonne nouvelle. Dans la communauté haïtienne, nous servons avec ça en pile. Par exemple, nous disons ça, saint tel c'est l'évangile. Nous disons, frère tel c'est l'évangile. Et l'air dont monde c'est l'évangile, ça veut dire que Mounza l'été recevoir une bonne nouvelle. Et qui sa bonne nouvelle là est? L'été recevoir Jésus-Christ qui est venu sous terre, qui mourit, qui ressuscité, qui monté dans le ciel. Après le fin verset sans lit, eh bien, mon sac, c'est l'évangile là, il reconnaît que le sacrifice Christ est fait sur le bois de la croix, c'est pour lui que lié. C'est comme ça, mon sauvé, ou seulement quoi que, ça Christ est payé sous croix, c'est pour le payer. Mon qui n'a pas accepté le paiement, l'a payé peut-être lui. On gagne l'enfer. Et pas que mon gagne l'enfer parce que c'est péché, non? Parce que Christ paye pour ça déjà. Et mon al dans l'enfer parce que yo pas accepté paiement Christ là. Et yo pas accepté sacrifice Christ là. C'est pour ça au grand jour du règlement de compte par devant le grand trône blanc dans Apocalypse 20, là yo pral juger si là qui pas de quoi et qui pral dans l'enfer, question yo pral poser c'est qui ça yo te fait avec Jésus. Et puis c'est sous bazar et il y a pas de verdict final là qui pral dire aller dans le feu éternel. Qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et si c'est ça l'évangile. Et il y a des gens qui peuvent poser plusieurs questions. Par exemple, l'homme prend l'évangile. Il prend l'évangile parce que ou t'es dans l'état de mort. La Bible dit comme ça, dans Romains 3, verset 23, le salaire du péché, c'est qui ça? La mort. Et Romains 3, 23, et Romains 6, 23, l'homme était ensemble. Il dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde qui vient sous terre fait avec une nature pécheresse. Il y a une question que quelqu'un pose. Quelqu'un qui dit comme ça, ça a donc tes péchés. Il n'y a pas de là. Pour qui ça, il est obligé de payer pour Adam. Il y a une nouvelle pour. Ce n'est pas payer pour Adam. Adam a une maladie que le passé va où. Adam a une maladie que le passé va où. Écoutez, l'homme sont être qui a trois parties. L'homme a un corps, l'homme a un âme, l'homme a un esprit. Même gens dans la dimension corporelle. Yon corps qui malade qui atteint don bagaille quelconque, li capable de passer maladie à. Si maladie est infectieuse, gen maladie capable de transmettre de yon moun à yon lot. Par exemple, si vous avez un tuberculeux, soit vivre dans un cas et puis un monde qui tuberculeux, c'est moun nan prend jem non côté et puis li tuberculeux, mais ou même cal prend. Et tuberculose là, c'est pas parce que ou t'es prêt germe initial là, c'est parce que ou a vivre dans l'environnement monde côté monde. Est-ce que nous, ça passe pour les facile pour nous capter?
Maintenant, et dans le cas Adam et Ève, raison qui fait que toute l'humanité est tombée en bas l'un mot, c'est parce que tout simplement, Adam tombait dans le péché, transgressait la loi de Dieu, et dans le péché, Adam tombait, et péché, qui ça péché? Péché son maladie spirituelle. Péché c'est pas maladie physique, non, il y en a. Son maladie spirituelle. Et maladie spirituelle, là, il y a une répercussion sur le corps de l'humanité. Et peut-être ça, l'on monde, pas quoi dans Jésus, ou bien trois lambeaux qui pendaient sous tête. Trois lambeaux qui pendaient sous tête. Un, lambeau physique, parce que tout son péché et son bruit de la gloire du Dieu, le salaire du péché, c'est la mort physique. Deuxième lambeau qui pendait sous tête, sous pas quoi dans Jésus, c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle, l'implique, soit vivre ou bien mourir sans Jésus. Et troisième, la mort qui pendait sur tête au monde qui va croire dans Jésus-Christ, c'est la mort éternelle. La mort éternelle veut dire, le moment va arriver pour tendre le monde qui va croire dans Jésus, oui, pour y avoir des verdicts finales là qui dit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Trois la mort, oui. La mort physique, la mort spirituelle, la mort éternelle. Qui côté la mort aujourd'hui? Adam qui transmet nos maladies. Regardez, soit quand une machine, c'est sous volant. Et puis, gros paquet dans la machine. Là. L'on fait accident, c'est où ça m'a blessé? L'on fait accident, c'est tout le monde qui est dans la machine blessé. Tout le monde qui est dans la machine atteint. Bon, des fois, on s'accueille. Chauffeur, on atteint moins que tout l'autre monde. Des fois, on a un chauffeur qui a conduit. Et puis, il est moins victime que tout l'autre monde qui est dans la machine. Soutamment, qui est dans la question de pour qui ça, ça a dans tes péchés et puis regardez ça n'a pas récolté. Adam was driving the bus. We were in the bus. Adam font mauvais coup de volant, nous tous qui étaient dans le bus là, nous victimes. Aussi simple que ça. Péché sont maladies spirituelles reliées. Même si on maladie physique parce que dans le corps, on a l'autre corps, et mes péchés sont virus, pas de va arriver. Moun ka vol, ka fait crime yo. Moun ki nan toute corruption qui gagne dans le monde là. Moun ki nan toute ak terrorisme nous connaît gagné. Et moun sa yo ki sa fait après ça. Kade, l'on gade visa yo, et même moun avèl yo, yo gon kwa tankou nou, yo gon zye tankou nou, yo gen men tankou nou, ce sont des êtres comme nous, ce sont des humains, ce ne sont pas des monstres qui commettent ces crimes, ce sont des humains comme nous. Moun yame question, pour qui Jésus a fait tout crime sa yo? C'est parce que, maladie, péché, qui nan yo a, pas joué une cure. Et peut-être ça y a vini dernier criminel qui gagne dans le monde. Si péché sont gros maladies, qui est le gros problème pour le monde gagne? Ou c'est le monde qui a problème prostitution, le monde qui a problème corruption, le monde qui a problème volant, le monde qui a problème criminel, le monde qui a problème terroriste. Pourquoi? Et pas le gros problème le monde gagne, non? Problème le monde c'est péché, oui. C'est péché, oui. Ou c'est le monde qui a problème la guerre, la famine, le monde gagne problème drogue. Le monde gagne problème gain. Et pas ça problème le monde. Problème le monde, c'est péché. Parce que qui ça qui fait toute bagaille ça yo a fait? Péché. Et si moi fais une parenthèse ça pour montrer, gardons maladie que nous attrapons. Non mais qui est ça? Pour y parler. Quelqu'un qui a dit parce que deux versets. Hé, hey, ma pauvre verset. Dans Somme 51. David dit, voici. Je suis né dans l'iniquité. Et ma mère, Isa, m'a conçu dans le péché. Si vous êtes dans l'iniquité, maman concevoir dans le péché. Et écoutez bien, maman qui a maladie péché. Avec tout papa. Les offres, génétiquement, spirituellement, qu'est-ce qui passe? Vous faites dans le péché ou c'est péché. Et la Bible dit comme ça, tout le monde qui a maladie péché, qui est le résultat? La mort. Et le préforme toi la mort que Bible enseigne sur tout là. La Bible dit qu'on tous ont péché. Et dans 1 Jean chapitre 1er, on dit l'apôtre Jean dit, si on dit qu'il n'y a pas de péché sur le menteur, la vérité n'est pas dans lui. Parce que tout le monde péché. Tout le monde qui fait sous terre, c'est pécheur. Et pour qui ça Jésus-Christ vient sous terre? Jésus-Christ vient sous terre pour une seule raison. Oui? Mission primordiale, mission, première mission Jésus-Christ vient sous terre. C'est pour te gérer le problème péché, non? Oui? Qui ça Christ fait? Christ prend toute l'amour ou qu'on est quitté de vin sous nous.
Qui est la mort liée? La mort physique? La mort spirituelle? La mort éternelle? Et bien, Christ prend toute la mort ça, il porte sous dos. L'un sous quoi? Et l'expérimenter pendant un moment, la mort spirituelle. Côté que papa a abandonné. N'oubliez, le Christ est relé. Il dit, Eli, Eli, lama sabatani. Qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ça, oui, l'enfer. L'on sépare avec mon Dieu, c'est l'enfer. L'on sépare avec mon Dieu, c'est la mort spirituelle. Et c'est sous quoi même Jésus qui expérimentait la mort spirituelle là. Et puis nous connaissons. Et puis, dans la dernière parole, il prononce, c'est tout est accompli. Il paye pour nous. Mais l'elfine dit, parole ça, il dit, papa, moi, mettre l'esprit dans mes mains. Il mourit physiquement. Écoutez, les preuves sont là. Christ mourit physiquement. Vous connaissez des gens qui même dit qu'on n'allait pas mourir vrai. Quelqu'un dit qu'on a indisposé, il est indisposé. Et puis l'air met dans ton nom, fraîcheur ton nom, fait revenir. Ils ont fait tout ça capable pour une défaite. Et l'amour Christ et résurrection Christ. Mabdo, preuve là tellement grande que Jésus Christ est mort. L'air crucifié mon. Habituellement, pour accélérer la crucifixion, si vous voulez, ils ont coupé bien. On fait ça pour capable rendre tout ça encore rapidement, pour capable mourir vite. Si vous voulez accélérer la crucifixion. Vous connaissez le soldat romain qui était responsable de crucifixion, allez, pour lui accélérer la mort, deux criminels qui étaient crucifiés des deux côtés de la croix de Jésus, lui voyait le pot de mourir, lui couper pied pour accélérer la mort. Où sont les arrivés sur Jésus, la Bible a dit, lui voyait Jésus qui était mort, il va couper pied. Ça est ton prophétie et tout, parce que dans Somme 16, il y a une prophétie qui te dit, pas gagné une zone encore qui a brisé. Et peut-être ça, il n'est pas possible de couper pied. Mais pour soldat assuré que le mot arrivait, avec passé, il prend une pelle et il perce bon côté gauche Jésus-Christ. Et puis il a dit comme ça, sang à l'eau sorti. Et il y a une raison qui fait que le sang à l'eau sorti, épée ça à soldat, il prend les transpercer côté gauche Jésus-Christ, épée ça atteint le cœur. Il explose le cœur. Sans acte de sortie, il atteint le cœur et puis il passe dans le poumon. Il n'y a pas de cas causé, non? Comment vous mourir encore? Pas de l'autre, non? Vous pouvez dire, pasteur, pour qui ça vous m'avez dit, Isaïe? Christ mourit physiquement, il mourit spirituellement. Et trois jours, il fait dans ton nom, c'était tout, pour lui-même, c'était toute l'éternité. Parce que il est séparé de Dieu et tout. Sacrifier là, c'était pour notre cause. Quand il y a pour mon sauver, c'est qui soit le faire. Faut placer en commande. Le salut n'est pas automatique. Même j'ai commandé un bagage ou payer pour lui, ou attendre pour recevoir. Pour mon sauver, faut commander salut là, faut payer pour lui et puis faut attendre quoi pour recevoir. OK. En matière de payer, Christ paye avec sang. Il paye avec sang, sang qui versé. En matière de commander, il faut prier. Romains 10, verset 9, 10 dit comme ça, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras comment? Sauvé. Il faut commander. Parce que pas un monde qui expérimente le salut automatiquement. Ou pécheur automatiquement. Mais pour faire sauter au péché. Mais pour sauver, il n'est pas automatique. Dans Jean 1, verset 12. Nous les paroles ça que nous connaît, il dit comme ça, à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus-Christ lui qui est la parole de Dieu, à ceux qui croient en son nom, elle, Jésus-Christ, leur a donné le pouvoir de qui ça? Devenir enfant de Dieu. Devenir, ou pas qu'à devenir un bagage côté déjà, ou devenir un bagage pâtier. Grande doctrine, il y aurait l'universalisme. L'universalisme enseignait que tout le monde sous terre a fait, tout sauvé, tout petit bon Dieu. Il n'y a rien plus au fait. Dieu est un Père universel. Dieu est un bon Père. Dieu est un Père qui aime tout le monde. Et tout le monde sera sauvé. Point n'a besoin d'aller à l'église, point n'a besoin d'accepter Jésus-Christ, point n'a besoin d'obéir à la parole de Dieu, point n'a besoin d'accepter la grâce de Dieu. Tout le monde qui va être sous terre, bon Dieu, c'est pas vrai. L'universalisme. Venez, ça sont doctrines les hommes. Et par où sa Bible a dit? Il a dit tout le monde qui va être sous terre, c'est péché. Et bon Dieu, vous voyez Jésus-Christ pour qui ça? Pour résoudre question péché.
Et pour un monde sauvé, pour une petite, bon Dieu, il faut connaître que ça, dans Jésus. Ça me saute de là, comment je dis? L'évangile. L'évangile. Mais, rapidement, je vais parler de ça, ça me dit là. Et ça qui est sujet nous à soi, les quatre évangiles. Les quatre évangiles. Et, l'entendre de les quatre évangiles, puis comment c'est que je parle de Matthieu, Marc, Luc, Jean, non? Matthieu, Marc, Luc, Jean, il y en a en Bible, dans le Nouveau Testament, il y a les quatre évangiles, c'est parce que ce sont des écrits historiques qui rapportaient comment Jésus-Christ est venu sous terre, il vive, il mourit, il ressuscité, pour que nous soyons capables de rendre l'évangile possible. Et mais les quatre évangiles n'ont pas là, ils ont pour avec, et la Bible a dit bonne nouvelle, c'est ça l'évangile le dit, et qui ça impliqué par rapport à la Bible. Parce que tout le monde qui pour, tout le monde qui a le ciel, tout le monde qui constate dans mon Dieu, il faut que vous croyez dans l'évangile. Et dans toute Bible là, c'est l'évangile. Il y a quatre évangiles qui viennent dans la Bible là. Maintenant, pour répéter, et puis après ça, nous allons chercher verset pour eux-mêmes. Le premier évangile nous venons de là, c'est l'évangile de la promesse. On dit ça ensemble. L'évangile de la promesse. Deuxième évangile nous venons de là, c'est l'évangile de la grâce. On dit ça ensemble. L'évangile de la grâce. Troisième évangile nous venons de là, c'est l'évangile du royaume. On dit ça ensemble. L'évangile du royaume. Et quatrième évangile nous venons de là, c'est l'évangile éternel. On dit ça ensemble. L'évangile éternel. Quatre évangiles nous viennent dans la Bible. On dit première, l'évangile de la promesse. Deuxième nom, l'évangile de la grâce. Troisième nom, l'évangile du royaume. Quatrième nom, l'évangile éternel. On a dans l'évangile de la promesse là. C'est dans l'évangile ça, mon nom célestement était quoi? Pour être capable de sauver. Au monde qui pas de quoi dans l'évangile promesse là, dans l'Ancien Testament, ou pas à sauver. Tout en l'Ancien Testament en est. L'ichita sur l'évangile de la promesse. Pour nous sauver, dans l'Ancien Testament, faut quoi dans si là, bon Dieu t'a voyé pour sauver l'humanité. Jésus-Christ. Dans Genèse 3, verset 15, sur l'évangile ça a prêché. Genèse 3, verset 15. C'est la première fois l'évangile ça a prêché, l'évangile de la promesse. C'est après Adam et Ève péché, bon Dieu parlait concernant, mais ça le bras le faire pour résoudre la question péché. Dans verset 15, Genèse 3. Tandis que ça, bon Dieu dit, lorsque bon Dieu fait face à Adam, il dit à Adam, pour qu'il sorte manger fruit, Adam dit, ces femmes n'ont été côté de notre femme manger. En d'autres termes, sous pas de bonne femme, n'ont pas de manger. Et bon Dieu dit, à côté de femme, non, bon Dieu dit, femme, non, pour qu'il sorte manger fruit, femme, non, dit comme ça, serpent, oui, l'excès d'une qui fait manger. En d'autres termes, bon Dieu, sous pas de créer serpent, n'ont pas de manger aujourd'hui. Et si ce n'est pas faute Adam, si ce n'est pas faute Eve, faute qui est-ce qui est? Faute bon Dieu, là. Et ils ont présenté des excuses. Finalement, bon Dieu, à l'écoute de serpent, qui c'est Satan, le diable, il prononçait une parole, un jugement qui vient tourner l'évangile. Tandis qu'il s'est dit dans verset 15, Genèse 3, pas jamais oublié verset ça, il y a le proto-évangile. Proto-évangile. Qui implique ses premières fois l'évangile paraît sous terre. Genèse 3, verset 15. Pas lié. Tandis qu'il s'est dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Bon Dieu dit serpent en consacre qui représente Satan le diable. M'a mette yon séparation entre ou même et femme nan. Yon jour, yon petit yon femme qui a fait sous terre, qui a crasé tête. Celle qui a fait petit ça, c'est talon ou a blessé. Et nous sommes capables de deviner qui petit yon femme qui te vine sous terre qui crase tête Satan le diable et Satan blessé talon. Femme ça, c'est Marie. Petite femme ça, c'est que ça? Jésus. Jésus, le mourit sur la croix, il crase tête Satan. Malgré le mourit sur la croix, il ressuscité. Blessure que Jésus Christ est résolu sur la croix. Il y a moins d'impact que blessure Satan recevoir. Parce que Satan recevait une blessure mortelle. Crasé tête lui. Mais Jésus-Christ recevait une blessure qui équivaut à une blessure de talon. Parce que 3 jours après ça qui passait, il est ressuscité. Il y aurait ça à proto-évangile. C'est la première fois qu'on promesse qui fait. Après Adam et un péché, l'humanité est tombée dans mauvaise nouvelle. Son mauvaise nouvelle. Lorsque bon Dieu dit Adam et Ève, à cause de son frère, ou à mourir, depuis avant, il était mangé un fruit.
Je te recevra par parole ça, oui. Le jour où tu en mangeras, qui ça? Tu mourras. Bon, tu te dis ça. Et après, au fin de péché, tu as le résultat. Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Ainsi, ça a été mauvaise nouvelle. Adam et Ève, pas de gens qu'on est expérimenté la mort. Mais la mauvaise nouvelle, ça a fini expérimentelle. Après, ils ont fini de manger dans le fruit défendu. Genèse 3, verset 15, pour la première fois, une bonne nouvelle qui est tombée. Qu'est-ce que cette bonne nouvelle là? Bon Dieu a résoudre la question péché avec Jésus-Christ que le bras voyait pour sauver l'humanité. Vous connaissez comment est l'évangile ça? L'évangile de la promesse. Tout le monde net pour être dans ce testament. Il y a quelquefois qu'on pose des questions. Comment mon dans ce testament a été sauvé? L'évangile. Pas jamais de monde qui sauvé sans l'évangile. Il y a quoi dans ce testament que grand Jésus qui t'a pral vini. Et peut-être ça, le peuple Israël t'a utilisé dans le service à Dieu des agneaux, des taureaux, il y a sacrifié, il y a versé sang, tout sang qui est versé dans ce testament pour demander mon Dieu pardon pour péché, c'était sang qui était symbolisé, le sang de Jésus-Christ qui t'a pral versé 4000 ans après. D'ailleurs, on ne peut pas voir dans le jardin d'Éden, le Adam et Ève péché, la Bible a dit, mon Dieu fait des habits de peau pour eux-mêmes. Avec peau bête, mon Dieu fait rade pour eux-mêmes. L'entendre de peau bête là, c'est ça seulement, ouais. Le Adam et Ève péché, mon Dieu font sacrifice pour eux. Mon Dieu fait un sacrifice pour péché dans le jardin d'Éden. Il y a un sacrifice qui préfigurait le sacrifice de Christ sur le bois de la croix. Les Jean-Baptiste voient Jésus-Christ dans Jean 1er verset 29. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui fait ça. Qui ôte les péchés du monde. Ainsi, l'évangile de la promesse là, c'est qui ça le déye? Moun qui était dans ce testament, yo était sauvé parce que yo était quoi que grand Jésus-Christ a pral vini. Et l'évangile de la promesse, Genèse 3, verset 15. Et puis après ça, nous tombons dans l'évangile de la grâce. L'évangile de la grâce. En tournant dans le Nouveau Testament, nous dans Romains 1er, verset 16. Romains 1er verset 16. L'apôtre Paul adressé le conseil à chrétien romain. Et son verset, m'a pas encouragé pour mémoriser, l'intéressant pile. Il dit comme ça, Romains 1er verset 16. Il dit, car je n'ai qu'à ça. Point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Ça c'est. Romains 1 verset 16. Je n'ai point honte de l'évangile. Et l'évangile que la parole là, c'est l'évangile de la grâce. Si c'est à nous, qui l'évangile qui t'a sauvé Abraham, Isaac, Jacob, Noé, qui l'évangile? Promesse. L'évangile de la promesse. Si c'est à nous, qui l'évangile qui sauve nous, même Kounia, qui l'évangile? L'évangile de la grâce. Et en regardant un verset qui explique ça clairement. Acte 20. Acte des apôtres. Chapitre 20, verset 24. Acte des apôtres chapitre 20, verset 24. Tandis qu'il s'en dit, il dit comme ça, l'apôtre Paul a adressé un dernier message au leader, au chrétien d'Éphèse, avant de le laisser, parce qu'il était pasteur. Il va le quitter. Tandis message que le baillot. Verset 24, acte 20. Il dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer qui ça? La bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ok? C'est ça. L'apôtre Paul dit comme ça pour moi-même. Je ne fais aucun cas de vivre. Que mourir, que vivre, ça c'est business bon Dieu. Dans le compte de comme haïtien. Ça c'est bon Dieu. Ça c'est bon Dieu qui vous gère ça. Son seul bagage mon est, son seul mission remien, c'est pour m'annoncer tout le côté passé, l'évangile de la grâce. Regardez. L'évangile de la promesse là, l'idée là dans le contenu, c'est mon Dieu te quoi que gon Christ qui pral vini. Dans l'évangile de la grâce, là, comme ça, qui contient l'évangile de la grâce là, nous croyons Christ qui t'est vini. Et peut-être ça nous donne dans l'évangile, nous croyons l'évangile de la grâce là, l'idée là dans Christ est venu, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est monté, Christ revient. Et ça, c'est l'évangile de la grâce là. Tout le monde qui est dans l'évangile de la grâce qu'on y a, et c'est que ça arrive au quoi. Et ça que fait l'évangile. Christ vini, Christ mourit, Christ ressuscité,
Christ monte, Christ ap tourne. Et dans 5 chapitres ça, ou est-ce qu'il y a dans l'évangile de la grâce là, il y a 4 chapitres dans l'évangile de la grâce là qui exécutent déjà. Christ vini, il fait déjà. Christ mouria, il fait déjà. Christ ressuscité, il fait déjà. Christ monte, il fait déjà. Qui s'arrête? Christ tourne. Pour qu'on y ait son seul mot, qui c'est mot, qui c'est refrain, nous-mêmes qui dans l'évangile de la grâce là, Maranatha. Et Maranatha veut dire, Christ revient. Ainsi, nous-mêmes, qui dans la dispensation, qui dans la période ça, depuis lors qu'on est, Jésus-Christ dit dans Matthieu 16, je bâtirai mon église, eh bien, dans qu'est-ce qu'on est dans l'évangile de la grâce. L'évangile de la grâce. Et puis, qu'on troisième l'évangile, comment est-ce qu'on est? L'évangile du royaume. L'évangile du royaume. On a regardé dans Matthieu 4, verset 23. Vous attendez, qui ça a dit de l'évangile du royaume ça? Matthieu 4, verset 23. Matthieu 4, verset 23. Nous avons qu'on l'a avec vous. Sous là, on va écouter dire Amen. Ok. Matthieu 4, verset 23. Attendez qui ça que lui dit. Vous attendez, thème l'évangile du royaume dans même. Et lui dit comme ça. Dans le 23e chapitre, alors 4e chapitre et Matthieu, et m'espère rejoindre rapidement, attendez qui ça dit. Et on verset qui mettait nous devant l'évangile royaume. Non. Il dit comme ça. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant qui ça? La bonne nouvelle du royaume. Et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Qu'on y attendait bien ça me l'eau. Les Jésus-Christ est venu pour la première fois. Premier bagage qui t'apprend. Alors, premier ça qui était dans la mission, c'est la mission de prêcher l'évangile du royaume. Qu'est-ce que c'est l'évangile du royaume d'ailleurs? Contenu, c'était moi c'est Christ là, moi vite sous terre. Si nous croyons dans moi et nous respectons la mission, m'accomplir dans l'œuvre, nous accomplir là, il n'y a pas de temps pour non seulement pour mourir, pour me ressusciter, pour monter, mais rapidement le royaume n'a pas établi. Jésus-Christ est venu avec une mission pour que lui fait deux missions contrées sans retard. Donc être intelligent. Qui deux missions Jésus-Christ devait faire contre sans retard? Et l'évangile de la grâce là, et l'évangile du royaume là. Tous les deux t'as contre sans retard. Mais gros problème qui vient arriver qui fait que tous les deux pas contre. L'homme, les gens premiers, c'est qu'ils sont ouais. Il dit comme ça en parlant de Jésus-Christ. Au commencement, il était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Mais il dit, toutes choses ont été faites par elle, Jésus-Christ. Il dit, et rien de ce qui a été fait n'a été fait qui ça, sans elle. Puis t'en décausé. Mais côté barre la gâté. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. On qu'est-ce qui sien Juifs, Israélites. Ça avec yo, Jésus-Christ prend l'établi royaume, non? Et puis pour que ça le fait avec Yoa, gagne dans le monde entier. Il dit, elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçu. Puis sous bazar. Jésus-Christ prend mes saillants, non, mettez-la à côté. Et puis, attendez que sa parole a dit. À tous ceux qui l'ont reçu. Aïe, la grâce là. Ouais. Elle est venue chez les siens. Aïe, royaume, non. Les siens ne l'ont pas reçu. Oh, mais ok, nous allons recevoir, mais il faut camper là. Jusqu'à ce que nous prenions. Et tant qu'on équipe, nous sommes en ligne. Ils vont pas aller régler. Et puis, où est-ce que ça? Next. Il n'est pas prêt. Et vous dites, mais, wait. Next, où est l'autre monde? Jésus-Christ vient de chez les siens, il n'y a pas eu ce voile. Il mettait à côté. Et puis il dit, next. Qui est-ce qu'on est next? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, Jésus-Christ la parole, leur a donné le pouvoir qu'ils a de devenir, comment? Enfant de Dieu. Je vais vous répondre à la question, ça. Vous me dites comme ça. Pasteur, si Israël était reçu par Jésus-Christ, nous ne jouons pas rien. Nous jouons nos bagailles, c'est parce que nous ne prenons pas. Si nous ne prenons pas, nous ne prenons pas pour nous-mêmes. Non. Depuis avant la fondation du monde, bon Dieu nous a choisi pour le salut. Et l'évangile de la grâce là, et l'évangile du royaume là,
Tu as provision pour ça. Mais Israélite, yo, causé que l'évangile royaume n'a campé. Parce que l'évangile royaume n'a campé pendant, qu'on y a dans l'évangile nous est? L'évangile de la grâce. Aussitôt que l'église enlevé, aussitôt que Christ tourne, aussitôt que Christ vient prendre tout le monde qui est dans le bus, grâce là, eh bien, l'évangile royaume n'a la paix. L'a commencé, l'a activé. L'a activé. Et l'évangile royaume n'a pas prêché lorsque l'église quittait terre là. Qui ça qui contenu l'évangile de promesse là? Notez bien, oui. L'évangile de promesse là dit, nous croyons que Christ a venu. L'évangile de la grâce là dit, nous croyons que Christ est venu. T'es venu. Et parce que t'es venu, la voie tourne. Qui ça l'évangile de royaume n'a dit? L'évangile de royaume n'a dit, nous croyons que Christ est venu. Alors, nous croyons que Christ est venu. Nous croyons que Christ monte. Et nous croyons que Christ a tourné. L'évangile royaume de Gonzague, l'Igombara en plus, il dit, nous croyons que Christ a tourné pour établir le royaume sous terre. Et nous tous qui croyons dans lui, n'a pas entré dans le royaume. Et ça contenait l'évangile royaume. Ouais. Ce n'est pas même pareil. L'évangile promesse. Nous croyons que Christ a venu pour sauver nous. L'évangile la grâce. Nous croyons que Christ est venu pour sauver nous. L'évangile royaume. Nous croyons que Christ a tourné pour l'établir royaume sur terre. Si nous croyons dans lui, nous ne pas recevoir Macla, Bepla, qui sentit Christ diable là, eh bien, elle est venue, que nous mourions, que nous vivons, eh bien, la mettez-nous dans le genre que vous voulez pour nous entrer dans le royaume. Là. Ça, c'est l'évangile du royaume. Et on a regardé dans Matthieu, chapitre 24, où on entend qui ça dit concernant l'évangile du royaume. Parole, ça faut bien maîtriser, oui. Et bon parole, oui, bon parole. Tandis que ça dit dans Matthieu 24, il dit comme ça, ça n'a pas besoin de lire en pile. Je vais prendre le verset 11, Matthieu 24. Il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Des pouvoirs rentrer dans Matthieu 24. Matthieu 24 n'est pas pour avec l'église. Matthieu 24 n'est pour avec l'église qui était là. La période de la grande tribulation de 7 ans qui va tomber sous le monde là. Alors, la période de la tribulation, 3 ans et demi, est moins sévère. Dernier 3 ans et demi, plus sévère. C'est la période ça à côté que le jugement de Dieu va tomber sous terre sous forme, tant qu'on lit l'Apocalypse. Et les sept sauts, les sept trompettes, les sept coupes. Et tel que ça dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, dans Matthieu 24, dans verset 12, la charité du plus grand nombre se refroidira. Tel que ça dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera comment? Sauvé. Alors, verset 5 là, il est pour avec pendant 7 ans de tribulation. Antichrist a gouverné la terre là. Pour capable fonctionner sous terre, il faut que Mac la bête. Depuis que Mac la bête là, depuis que prend Mac là, seulement perdu. Et Mac là, vous va prendre. Si vous résistez pas prendre Mac là, vous allez souffrir en pile. Même vous avez payé vieux pour ça. Mais écoutez, si vous faites 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous ne prenez pas Mac la bête là, mais sous 5e année, vous prenez ou perdu. Et d'après la Bible, si vous faites 6 ans, 364 jours, et puis, sous dernier jour, on va mettre la bête. C'est dans le contexte qu'on veut se comprendre. Matthieu 24, verset 13. Je dis à on qui a marché l'église, il va chuter. Et puis après, ça va tourner. L'homme qui a chuté pour tourner, qui est l'église d'où? Ah, mon cher, on a chuté la place où perdu, oui. On va pas retourner encore, non? Non, il va ça. Et dans l'évangile de la grâce là, on chute, on voulait prendre place où? Ça qui passe. La sous là. Mais devinez ça qui passe. Dans l'évangile royaume, non. Sous pas persévérer ça. Jusqu'à la fin, ou perd du place. Et vous savez, dans le contexte de l'évangile royaume, non, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et puis tandis verset 14 là. Tandis que ça dit. Matthieu 24, verset 14. Vous voyez ça, oui? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêcher dans le monde entier
pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra qui ça? La paix. Pas de monde qui prend l'enfer. Pour bon Dieu, pas de. Pour bon Dieu, pas de raison sous. Si c'est dans l'Ancien Testament qu'on vit, il va dire comme ça, ah, où t'es dans l'évangile? Qui sont fait avec lui? Qui l'évangile? L'évangile de la promesse. Si c'est dans la période l'église où t'es vivant, il va dire, où t'es dans l'évangile? Vous avez dit, qui l'évangile, papa? L'évangile de la grâce. Si c'est période l'église qui t'était dans l'évangile, il va dire, où t'es dans l'évangile? Vous avez dit, qui l'évangile? T'es quand l'église qui t'était là? L'évangile du royaume. Vous captez? Et puis, il y a un monde qui dit, mais pasteur, quel l'évangile encore? Peut-être ça sera obtenu ça. Bon quatrième. Non seulement que l'évangile de la promesse, non seulement que l'évangile de la grâce, non seulement que l'évangile du royaume, mais qu'on l'évangile, il y aurait l'évangile éternel. C'est le dernier l'évangile qu'a prêché sous terre. L'évangile de la promesse, t'a dit Jésus-Christ, a fini. L'évangile de la grâce, t'a dit Jésus-Christ, t'es fini. L'évangile du royaume, t'a dit Jésus-Christ a fini, établi quoi? Royaume ni. L'évangile éternel l'a dit, l'éternité a vini. Là, on dit l'éternité a vini, c'est l'éternité bienheureuse avec Christ. Et, où t'as saisi, ouais, ça? L'évangile promesse là, c'est le monde qui prêche. L'évangile la grâce là, c'est le monde qui prêche. L'évangile royaume là, c'est le monde qui prêche. Spécialement les 50 chapitres de l'Apocalypse. Qui est-ce qu'on est prêt à prêcher l'évangile éternel là? Vous avez saisi ça? D'ap groupe moun sa yo vle prêcher l'évangile, il n'y a pas de chance là. Ange qui a prêché. Ange, oui? Ange. Depuis longtemps, ange vle prêcher l'évangile. Il n'y a pas de chance là. Il y a pas de chance là. En allant, dernier verset, non? Apocalypse 14. Apocalypse, chapitre 14. M'appli pour vous-même, verset 6 et 7. Apocalypse 14. Verset 6 et 7. Tandis que ça, l'apôtre Jean dit. L'apôtre Jean dit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant qui ça? Un évangile comment? Éternel. Pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, l'évangile éternel là, oui. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et puis, dans le contexte verset ça, il y a l'autre ange qui paraît, qui dit comme ça, elle est tombée, Babylone la grande. En d'autres termes, l'évangile éternel, son l'évangile qui va dire, l'éternité. A fini, Satan perdit bataille. C'est ça Babylone nous représente. L'éternité a fini, Satan perdit bataille. Et tout le monde qui croit dans l'éternité a fini, hein, et donc adorer mon Dieu, croit dans lui, croit dans le Créateur là. Ah, Bible ça a gagné là-dedans, oui. Quatre évangiles. Et qui est-ce qui a prêché dans l'évangile là? Les anges. Dans la Noël. Écoutez. Dans quatre évangiles ça, Abraham, Isaac, Jacob, bon. Mais c'est ça, mais dans l'évangile pour messieurs, nous-mêmes, je dis, ça qui passe. Dans l'évangile, la grâce. Mon cap prêté après Jésus-Christ, vient chercher nous. Ha! Il n'y a pas de problème, oui. D'ailleurs, si mon pas de saisir l'évangile, la grâce, dans le moment où il y a ça, dans le moment où il y a persécution, tant que nous t'attendons ça, vous pensez, dans la liberté, nous gagnons pour nous bailler l'évangile, qu'on y a, mon pas prendre. Vous pensez, c'est dans la période côté que l'antichrist a coupé tête. À baptiser mon pensez mon pas l'évangile du royaume. Eh bien, l'évangile du royaume, non? Et nous sommes capables de comprendre qui ça et ça impliqué. C'est au prix de grands sacrifices que nous allons aller et sauver. Et puis après ça, nous allons l'évangile éternel. Et si quelqu'un qui l'a pas Jésus qui comme sauveur, eh bien, préparons pour être méquit pendant l'évangile du royaume, non? Mais maintenant, il y a des gens qui ont l'opportunité pour prendre l'évangile de la grâce. Des gens qui ont il est capable très difficile pour accepter l'évangile de la grâce. Ou capable d'en aussi. Mais allons, bon Dieu, ça, pendant toute génération, à toute période d'histoire, bon Dieu fait grâce. Bon Dieu a cherché l'homme.
li bay l'homme l'évangile pendant tout temps. Non, c'est l'Ancien Testament l'évangile de la promesse. Non, Nouveau Testament le bail l'évangile de la grâce. L'église qui t'éterne là, la bail l'évangile du royaume. Et en plus, dernier barrel, la bail l'évangile éternel. Je me dis, mais pasteur, comme moi dans l'évangile la grâce, qui ça me doit faire dans l'évangile la grâce là? Soit mal géré l'évangile la grâce là, il n'est pas bon pour moi. Et m'a terminé avec même verset, même passage que je commencé à. Mais qui ça doit faire dans l'évangile la grâce là? Dans 1 Corinthiens 15, verset 1er. Chrétien Corinthien, vous êtes mal géré l'évangile de la grâce là. Vous êtes mal vivre dans l'évangile de la grâce là. Mais Paul dit comme ça, je vous rappelle, ils font un rappel avec eux. Il dit l'évangile que je vous ai annoncé. Paul dit premièrement, vous êtes annoncé l'évangile que vous avez reçu. Deuxièmement, vous êtes annoncé l'évangile, vous avez fait recevoir l'évangile. Écoutez bien. Vous avez annoncé au monde l'évangile. Leur recevoir l'évangile, qui preuve qui dit qu'on recevra l'évangile? Paul dit, dans lequel vous avez qui ça? Persévéré. Il y a un monde qui dit c'est l'évangile. En Haïti, nous sommes, nous tendons des paroles en pile. Il dit, ah, vous voyez, c'est l'évangile, oui. L'homme monde prend route, mon Dieu, dans la communauté, nous dit comme ça, il convertit. Il convertit. Ou bien c'est membre de l'église, oui. Ou bien dit c'est l'évangile. Mais de l'autre monde, c'est l'évangile. Hein? Ou t'es quand même. Je t'ai annoncé que c'est Christ qui sauve le monde, qui pécheur. Deux, je t'ai dit comme ça, pour sauver, il faut recevoir Christ. Trois, je t'ai dit, le monde qui recevra Christ là, qui te débarra là, il faut persévérer. Il faut persévérer, sortir dans le monde, il faut rester dans Christ. Et l'apôtre Paul fait qu'on est, le monde qui est dans l'évangile là, debout d'où c'est l'évangile, c'est d'où vous sauver. Verset 2 dit comme ça, par lequel vous êtes sauvés. Et c'est ça qui est implication l'ordre où c'est l'évangile. Vous avez annoncé soli, ou recevoir, ou persévérer. Et l'ordre où c'est l'évangile, c'est d'où dit un monde qu'on sauve. Ainsi, à soi, gloire à Dieu, sous cas dit ça moi-même, je ne pas gagner chance. Je ne un monde qui était inscrit pour l'évangile de la promesse. Même gagner chance de répondre à l'évangile de la grâce. Et moi-même, moi réalisé que quand l'évangile royaume, quand l'évangile éternel, pas grand rien qui dit, m'a besoin de ça, sac devant moi, c'est lui pas moi. Amen. Pas oublier les quatre évangiles, les quatre évangiles. Citez mieux non. L'évangile de la promesse, deuxièmement, l'évangile de la grâce, troisièmement, l'évangile du royaume, quatrièmement, l'évangile éternel. Que mon Dieu bénisse. Écoutez.